Premier match et première défaite pour plaisir en Fédéral 2. Ce dimanche 9 septembre, les jaunes et bleus n'ont pas réussi à rivaliser avec le Marquois Rugby dans leur stade. Le score est sans appel, 51-13. Quand on maîtrise aussi peu de choses, à un moment donné, la sanction est un peu obligatoire. Et notamment les 3-4 premiers essais qu'on prend, c'est que des fautes de notre part que l'adversaire utilise à fond. Aucun problème, c'est logique. Au total, les visiteurs ont inscrit 8 essais, dont 5 en deuxième période. Une faillite défensive qui s'explique principalement par une reprise tardive des entraînements pour une partie du groupe. C'est vrai que par rapport à ces grosses écuries qui ont certainement des moyens différents des nôtres, ils ont repris l'entraînement beaucoup plus tôt que nous, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le jeu est beaucoup plus huilé de leur côté, quoi. On est sur un groupe qui bouge un peu cette année, les garçons qui nous ont rejoints. Les automatismes sont pas là, les repères de jeu sont pas encore là. On va travailler tous ensemble pour essayer d'améliorer tout ça. Avec ce résultat, Plaisir pointe à la dernière place du championnat de Fédéral 2 pour ne pas se mettre en difficulté dans la course au maintien. Une réaction des Plaisirois est attendue dès le dimanche 16 septembre face à Gennevilliers.